Il était une fois une terre où les hommes pouvaient respirer de l'air pur et vivre paisiblement. Il n'y avait pas de pollution, la terre était si belle. Il y avait assez d'espace pour que chacun ait sa maison et un jardin. Les scientifiques inquiets constatèrent que l'augmentation de la température de la terre provoquait la montée des eaux. Après des recherches documentaires, les scientifiques essayèrent d'en savoir plus. Pour faire l'expérience, on a pris un récipient avec de l'eau et on a mis un caillou. Le caillou représente la terre et les roches, et le glaçon représente la glace du glacier. Pour faire la deuxième expérience, on a mis un glaçon qui représente la banquise. Au début des expériences, nous avons mesuré le niveau de l'eau pour vérifier si l'eau restait stable. Donc à la première expérience, l'eau augmentait, tandis qu'à la seconde, l'eau restait stable. Dans la vie réelle, la fonte des glaciers continentaux fait augmenter le niveau de la mer, alors que les banquises ne font pas augmenter le niveau des mers. Nous faisons des recherches pour savoir si la banquise a un rôle sur la montée des eaux. Nous réalisons deux expériences pour savoir si la température augmente avec la couleur claire ou avec la couleur foncée. Nous utilisons un t-shirt clair et un t-shirt foncé, une lampe qui représente le soleil, puis une assiette avec de l'eau qui représente les océans. Lorsque la banquise fond, la surface de l'eau augmente et la surface de la banquise diminue. On sait que la surface sombre fait augmenter plus vite la température. Donc la fonte des banquises va faire augmenter la température de l'eau. On a versé de l'eau colorée froide dans un ballon sphérique. On a bouché le récipient avec un bouchon à trous. On a mis une paille dans le trou, ensuite on a posé le récipient dans une bassine d'eau chaude. Quelques secondes plus tard, l'eau a monté dans la paille. Conclusion, l'eau chaude prend plus de volume que l'eau froide. À cause du réchauffement climatique, la température de l'eau augmente, donc l'eau des océans prend plus de place. La montée des mers et des océans ne cesse d'augmenter. Il y a moins d'espace de vie pour l'homme. Le territoire est de plus en plus occupé par l'eau. Les chercheurs, les scientifiques, les journalistes essayent de sensibiliser les personnes pour faire diminuer le niveau des eaux. Nous espérons qu'un jour, on pourra dire « Enfin, les hommes apprirent à vivre heureux tout en protégeant la Terre ».